C'est là où je suis né. C'est pas là où mes parents sont nés. Mes parents sont nés en Algérie. Mais c'est là où mon père a travaillé toute sa life, dans la mine. Ce qui fait aussi la réputation de cette ville. Mais moi, en tant que Stéphanois, j'ai l'impression que quelque part, tous mes secrets, tous nos secrets sont enfouis bien profondément dans cette ville. Il y avait de la suie, il y avait de la sueur, il y avait du travail, il y avait de l'énergie. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. Je suis le 8e d'une fratrie de 10. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on en est là aussi aujourd'hui. Il y a une force dans cette ville. Ici, on sent une ferveur particulière. Des gens viennent de loin pour voir nos concerts à Saint-Étienne parce qu'il y a quelque chose de très particulier. Exactement comme il y a beaucoup de gens qui viennent voir le match des Verts de Grenoble, de Bretagne ou de je sais pas d'où, parce qu'il y a une saveur particulière ici, ça c'est sûr. On en parle de notre ville parce qu'on en est fiers. Donc c'est pas parce qu'on est de Saint-Étienne que les gens nous portent, c'est parce qu'on est Stéphanois et qu'on porte ça haut et fort et on scande loin chez nous que, bah, je vais pas dire que les gens nous aiment, mais encore cette relation de l'ensemble en fait, tu vois. Quand on joue à Saint-Étienne, il y a une émotion toute particulière en fait. Moi quand je monte sur un Zénith ou sur un All-C, enfin peu importe, depuis toujours en fait. Et une énergie de ouf, une vraie énergie de ouf et une pression de malade.